excellence pour ce deuxième cross de la journée avec tout de suite Diabolta de Bré avec Arthur Ferme qui a pris les commandes avec en deuxième position également Joie Rapp et Pierre Allard. La troisième place pour le numéro 4, Blaise Boire, Denis Arthur avec Jordan Majorquic. Et la quatrième place pour le numéro 5, Claude Galfer-Schickel avec Philippine Madalier. Rythme qui est beaucoup moins soutenu que dans le premier cross tout à l'heure, avec un petit peu qui est très compact, et la position du jour de Diabolta de Bré. En deuxième position, galope le numéro 3, Joie Rapp, qui est quelque part en tour avec la canette jaune, numéro 4, Blaise Boire, Denis Arthur, qui se maintient en contact électronique. Elle a profité d'ailleurs pour venir prendre maintenant les commandes, avec la dernière place pour la canette bleue et orange de Joie Rapp. Tout se passe remarquablement pour l'instant. Nouvelle difficulté qui a été parfaitement négociée par les quatre concurrents avec Jordan Majorquic qui a l'avantage, Arthur Ferland, la canette de Tom Blanche qui vient en hauteur, avec également Philippine Malavé qui vient en contact les deux premiers avec le numéro 3. Il s'agit de Pierre Allard qui est en quatrième position. Passage toujours parfois un peu délicat avec le passage du guet. Dans ce peloton qui se tient remarquablement pour le moment, et ils vont aller célébrer dans quelques instants entre les deux passages de route, avec toujours Arthur Ferland, Jordan Majorquic qui est en dedans, avec complètement à l'extérieur Pierre Allard. Ouf là, c'est limite. Ça c'est un petit peu entonnoir, mais ça s'est bien terminé. Le train qui s'accélère avec Arthur Ferland qui est allé chercher un peu à l'extérieur pour rentrer maintenant dedans et ressaisir le meilleur, bien que contré à la corde par le numéro 4, Jordan Majorquic qui ressaisit le meilleur. Jordan Majorquic qui est en tête maintenant avec en deuxième position Pierre Allard, alors que profitant de la corde, Arthur Ferland revient au contact des leaders. Alors on trouve encore Philippine Malavé qui est en quatrième position, mais qui se rapproche à son tour pour venir maintenant quasiment deuxième. Le sprint qui est lancé de loin avec aux avant-postes toujours Jordan Majorquic avec Blaise Boire, Denis Arthur. En deuxième position, Philippine Malavé avec Coïgen, Fer, Schickel. Allez, un peu plus loin, galope en troisième position, Arthur Ferland avec Diabolta de Bré, accompagné encore à l'extérieur, qui accélère d'ailleurs à cet instant par Pierre Allard avec Joie Rapp. Le dernier tournant, rien n'est fait avec maintenant l'avantage pour Philippine Malavé qui se présente en tête pour aller franchir la dernière difficulté avec en deuxième position Pierre Allard, alors que Jordan Majorquic est en troisième position devant encore Arthur Ferland. L'avant-dernier relais avec Philippine Malavé qui va la franchir en tête, légèrement détaché de la fin de Pierre Allard, avec en troisième position Jordan Majorquic et Arthur Ferland, qui est quatrième et qui tombe un petit peu terrain à l'extérieur sur le plat. Arthur Ferland qui va attaquer Philippine Malavé. Pierre Allard au 3, termine 3e, et la 4e place pour le numéro 4, Jordan Majorquic.